Bonjour à toutes et à tous, ravi mes chers amis de vous retrouver pour cette lecture spéciale Message des anges signe par signe. Sur demande, on m'a demandé si je pouvais prendre les messages des anges pour vous, signe par signe. Il y a plusieurs personnes de coup qui ont demandé. Et ben voilà, chose faite, nous allons prendre les messages que les anges ont à vous passer. Vous savez que les anges sont toujours près de vous, que vous parlez dans votre tête, que vous lui parlez à haute voix, que vous y mettez l'intention, ils vous écoutent. Alors, croyez-y bien que vous n'êtes jamais seul et qu'ils peuvent vous aider, ils peuvent vous amener sur le chemin de votre destinée et surtout peuvent vous donner les directions, les réponses que vous attendez. Signe par signe, le ou les messages des anges qui vous sont concernés. Prenez que ce qui résonne avec vous, encore une fois. Ces lectures intuitives sont bien destinées à quelqu'un, mais ce n'est pas pour tout le monde. Alors, si ça ne vous parle pas, si ça vous irrite, vous éteignez. Ce n'est pas pour vous. Vous trouverez dans la barre d'information le minutage pour aller directement à votre signe astrologique. Et nous allons découvrir ensemble les messages. En vous remerciant toujours pour les abonnements, les petits pouces en haut. Et les partages, partage très important pour que les messages arrivent à destination. Les commentaires très importants pour interagir, pour faire part de votre expérience. Et si vous passez sous cette chaîne, que vous la découvrez, je suis ravie de vous accueillir. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En vous souhaitant un très bon week-end, nous allons voir le message qui va vous accompagner. Et nous partons tout de suite. Hello les amis Balance. Nous allons voir ensemble quel est le message des anges pour vous. Pour les amis Balance, quel est le message des anges? Est-ce qu'il y a un ou plusieurs messages? Nous en avons un. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. C'est bien ce que je disais dans l'introduction. Ne doutez pas des anges, surtout. Ne croyez pas que vous êtes tout seul, que qu'est-ce que vous pensez. Votre prière, même que ce soit juste une intention, n'arrive pas. Elle est toujours entendue. Maintenant, c'est peut-être vous, car nous ne vous écoutons pas parce que vous ne vous connaissez pas. Vous n'arrivez pas à percevoir, à ressentir ces messages, ces directions qu'il vous donne. Car votre ange gardien est toujours là pour vous amener sur le bon chemin. Alors écoutez cette petite voix intérieure. Faites-le pendant ce week-end, profitez de cette pleine lune en bélier pour vous transformer, pour vous libérer et vous écouter. Très bon week-end les amis Balance, à très bientôt, bye bye. Hello les amis Bélier, j'espère que vous allez bien. En vous souhaitant un très bon week-end, nous allons voir ensemble le message ou les messages de votre ange gardien. Quels sont les messages, s'il vous plaît, ou le message pour les amis Bélier, s'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît. Le voilà. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux, heureuse. D'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêtes-tu pour des pacadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Alors, mes chers amis, votre ange gardien vous invite à accepter, à reconnaître ce merveilleux cadeau qui est la vie. Bien sûr, même si vous affrontez des difficultés, passez outre. Ne vous arrêtez dessus, ne vous attardez pas. Ne vous limitez pas par ce qui doit s'en aller, par ce
qui a été une belle leçon pour vous faire grandir, vous faire élever. Alors, acceptez d'être vivant chaque jour. C'est déjà le plus beau cadeau que vous avez reçu et que vous êtes fait en acceptant de descendre sous terre. Sans faire leçon de spiritualité, ne vous arrêtez surtout pas. Vous n'êtes jamais seul. Demandez de l'aide de votre ange gardien. Ne vous limitez surtout pas. Laissez toujours aller qu'est-ce qui doit s'en aller pour vivre pleinement ce merveilleux cadeau qu'est la vie. Voilà mes chers amis, Bélier, je vous souhaite plein de belles choses et à très bientôt. Bye bye! Hello les amis cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer un très bon week-end mes chers amis. Et ensemble, nous allons voir le message ou les messages de votre ange gardien. Pour les amis cancers, s'il vous plaît. Ah, ben, ça veut énormément parler, mais là, la moitié du paquet, ça ne sera pas possible. Allez, pour les amis cancers, s'il vous plaît, quel est ou quels sont les messages? Et il y en a encore trop. J'en prends de 1 à 3, mais pas plus. Allez, c'est ainsi que mon intention était posée. Pour les amis cancers, s'il vous plaît, quel est le message des anges? Pour les amis cancers. Le voilà. C'est magnifique cette carte sous les 12 signes. C'est la troisième fois qu'elle sort. Elle est sortie pour les Gémeaux et pour le Sagittaire. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Alors, si vous ne croyez pas aux anges ou si vous avez fait appel à vous, sachez que ce n'est pas arrivé dans les oreilles d'un sourd, mais que votre ange est en train de préparer une très belle surprise. Commencez à regarder toutes les petites choses du quotidien et bientôt, vous allez recevoir cette merveilleuse surprise que va sûrement vous changer la vie. Et n'oubliez jamais, les anges vous entendent, même si vous parlez dans votre tête et que vous ne mettez pas l'intention pour eux. Nous avons tous un ange gardien. Et il attend tout ce que nous pensons, que nous disons, à haute voix, à voix basse, intérieurement. Ils sont là. Ils nous connaissent bien mieux que tous, bien même plus que vous-même. Et alors, n'hésitez pas à venir à faire appel à eux quand vous avez besoin d'une direction, d'un rêve qui doit devenir réalité. Mais sachez qu'en tout cas, dernièrement, quelqu'un, des amis cancers, vous avez dû mettre une intention, un désir, et pour quelqu'un, ce rêve va devenir réalité parce qu'il y a du nouveau pour vous. Il y a une grande surprise de la part de votre ange qui va bientôt arriver. Voilà mes chers amis cancers, je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye! Hello les amis capricornes, nous allons voir ensemble le message ou les messages de votre ange gardien, de vos anges gardiens. Pour les amis Capricorne, s'il vous plaît, en vous souhaitant un très bon week-end, nous allons découvrir ensemble le ou les messages des anges pour vous. Allez, pour les amis Capricorne, s'il vous plaît. Là, voilà, nous en avons un. Observe ta vie. Es-tu heureux, heureuse? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Observez bien, mes chers amis, car votre ange gardien vous dit bien que, bien sûr, vous n'êtes jamais tout seul. Et c'est un bilan de votre vie, je dirais ici. En tout cas, votre ange gardien vous encourage vraiment à regarder à travers ses yeux, les yeux de la sagesse, les yeux de la gratitude, les yeux de la bienveillance. Et bien sûr, si vous ne vous sentez pas heureux, sachez que tout ce que vous avez cheminé jusqu'à maintenant, votre ange gardien est fier de vous. Regardez aussi toutes les petites choses que vous avez autour de vous au quotidien. Même si elles vous paraissent insignifiantes, elles sont très importantes. Alors apprenez à regarder avec les yeux du cœur, avec les yeux de cet ange merveilleux qui est près de vous. Observez votre vie. Et encore une fois, demandez de l'aide. Car vous n'êtes pas seul et vous êtes entendu
entendu. À très bientôt, mes chers amis Capricorne. Je vous souhaite toujours le meilleur. Bye bye! Hello les amis Gémeaux et Gémottes, j'espère que vous allez bien. En vous souhaitant un très bon week-end, nous allons voir ensemble quel est ou quels sont les messages pour vous des anges. Quels sont les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Message pour les Gémeaux. Nous en avons un seul. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. J'ai été entendu et j'ai l'intention de te répondre. Et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Alors, mes chers amis, vous savez que le 9, il y a la pleine lune. N'hésitez pas donc à faire vos demandes. Bien sûr à la lune, mais surtout à vos anges. De toute manière, quoi que ce soit que vous avez pensé, mis l'intention dernièrement pour un changement dans votre vie, avec cette pleine lune, nous allons sur un changement, une transformation. Vos anges gardiens, votre ange gardien, vous dit qu'il vous a bien attendu et qu'il y a une surprise en préparation pour vous. Donc, soyez prêts à accueillir ce nouveau que votre ange gardien est en train de vous préparer. Je pense que ça va être grandieux, grandiose pour quelqu'un, mais ça va être sûrement une merveille céleste qui vous amènera vers la réussite et vers le bonheur. Vous avez été entendu. Croyez bien vos anges gardiens. Ils sont toujours près de vous. N'hésitez jamais à demander leur aide. Et surtout, vous pouvez leur parler clairement. Ils entendent tout. Même si vous pensez intérieurement. Voilà pour vous, mes chers amis Gémeaux et Gémottes. J'ai du nouveau pour toi. Il ne vous reste plus qu'à attendre. Et sur ce, je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye! Hello les amis lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, mes chers amis. Et nous allons voir ensemble le message ou les messages des anges. Allez, quel est le message pour nos amis lions, s'il vous plaît? Lions. Y a-t-il un ou plusieurs messages pour les amis lions? Lion, s'il vous plaît. Lion, s'il vous plaît. La voilà. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde qui est rempli d'amour, qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu te fais, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Votre ange gardien, excusez-moi, il vous rappelle de vivre dans l'amour, en fait, et de ressentir cet amour en vous et autour de vous. Bien sûr, vous n'avez pas de souvenir de là où vous venez, dans le sens de ce monde céleste. Mais n'oubliez aussi surtout pas d'où vous venez de cette vie terrestre. En tout cas, pour être dans l'amour inconditionnel, pour le recevoir et pour le donner, il va falloir passer toujours par le fait de s'aimer soi-même déjà. Donc, aimez-vous, aimez les autres et répandez l'amour autour de vous. C'est le message que votre ange gardien vous envoie. Et quand vous faites tout dans l'amour, tout ce que vous entreprendrez sera une réussite et tout devient possible. Alors croyez-y, faites appel à votre ange, soyez dans cet amour inconditionnel. Sur ce, je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt mes chers amis lions. Bye bye! Hello les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Ensemble aujourd'hui, nous allons voir votre message ou les messages de vos anges gardiens. Et en vous souhaitant un très bon week-end, nous allons découvrir quel est ou quels sont les messages. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Les amis poissons, s'il vous plaît. Les amis poissons, s'il vous plaît. Les amis poissons, s'il vous plaît. La voilà. Saisis
les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ces choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux, heureuse. Fais-toi confiance. Votre ange gardien, mes chers amis poissons, il est près de vous et vous entend. Si vous avez en tête quelque chose en ce moment, il vous dit que c'est la bonne direction. Soyez bien à l'écoute de cette petite voix. Vivez l'instant présent et sachez que vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Et avec ces nouvelles énergies, avec ces énergies de cette pleine lune en bélier, avec cette transformation, l'acceptation, la libération, il y en a qui ont des choix à faire, des décisions à prendre. Et si vous avez déjà une petite idée en tête, et bien là on vous dit que la réponse est oui. Si vous avez choisi d'aller dans une direction, allez-y. Et si vous écoutez bien cette petite voix, votre ange gardien à qui vous pouvez tout dire, vous pouvez vous confier, vous pouvez demander son aide. Si vous savez bien l'écouter, il pourrait même vous diriger vers votre prochaine étape à accomplir pour que vous réussissiez et que vous puissiez vous accomplir dans votre vie en général. Faites-vous confiance, ayez confiance en votre ange. Donc saisis les bonnes occasions. Et je vous souhaite vraiment d'être à l'écoute et de saisir ces occasions. À très bientôt, mes chers amis poissons. Bye bye. Hello les amis sagittaires, comment ça va? J'espère que vous vous portez bien. Et en vous souhaitant un très bon week-end, nous allons voir ensemble le message ou les messages des anges pour vous. Allez, quel est le message? Non, là ça fait beaucoup. Quel est le message ou les messages pour les amis sagittaires, s'il vous plaît? Ça fait comme le taureau, ça veut énormément parler, mais nous ne pouvons pas prendre toutes ces cartes-là. Allez, 1, 2, 3. Combien de messages et quel est le message pour les amis sagittaires, s'il vous plaît? Allez, pour les amis sagittaires. La voilà. J'ai du nouveau pour toi. Vous avez exactement le même message que pour les Gémeaux. Ouvre bien, grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Alors que vous avez prié, invoqué, parlé avec votre ange gardien ou même que vous avez mis une intention, que vous avez réfléchi dans votre tête, le message est passé. Votre ange gardien est en train de préparer une belle surprise pour vous. Donc soyez attentifs aux petits changements autour de vous, tout petit qu'il soit, car il y a quelque chose de beau qui va arriver. Mais surtout, une nouveauté et quelque chose qui vous fera vraiment plaisir. Alors il ne vous reste plus qu'à attendre comme nos amis Gémeaux. Et sur ce, je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye. Hello les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, nous allons voir ensemble les messages ou le message de votre ange gardien. Je vous souhaite bien sûr de passer un très bon week-end et ensemble nous allons découvrir le ou les messages. Les amis scorpions, il y en a trop. J'ai eu la même chose avec le taureau et je ne sais plus qui. Mais quand il y en a trop, il y en a trop. 1, 2, max 3. Les amis scorpions, s'il vous plaît. Les amis scorpions. Quel est le message pour les amis scorpions, s'il vous plaît? Le voilà. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'il en pense. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui. Tu possèdes les réponses à tes questions. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Alors, mes chers amis scorpions, il y a quelqu'un ici qui attend des réponses, qui doute de quelque chose, qui a des choix à faire, peu importe, et qui semblerait que vous essayez de trouver
le petit message, enfin, ce que vous avez envie d'entendre par les autres. En fait, vous peut-être vous ouvrez à quelqu'un en particulier, à plusieurs personnes, mais en fait, vous demandez parce que vous avez envie d'être rassuré pour entendre ce que vous voulez entendre. Or, les vraies réponses sont à vous, il n'y a que vous qu'elles avez et ce sont les bonnes. Donc, vous devez regarder à l'intérieur de vous. Faites appel aux anges pour qu'ils vous aident. Vous n'êtes jamais tout seul. Et ben, inutile de questionner tout le monde, je vous dirais, car vous savez que qu'est-ce qu'ils pensent les autres, qu'est-ce qui est bon pour les autres n'est pas pour vous et ce n'est pas forcément votre vérité, votre réalité, ce qui vous fera du bien. Pour savoir ce que vraiment vous avez besoin, suite à un questionnement que vous avez, c'est en vous que vous devez chercher cette réponse. Et si vous croyez que votre ange ne vous a pas entendu, il vous a entendu, il vous le prouve avec ce message. C'est peut-être vous que vous ne comprenez pas les réponses, que vous ne voyez pas les signes, mais parce que vous ne vous écoutez pas. Alors, faites preuve de, comment dire, d'ouverture durant cette pleine lune du 9 octobre, une pleine lune qui vous demande de faire remonter toutes ces émotions profondément pour vous libérer, pour accepter, pour vous transformer, pour pouvoir regarder à l'intérieur de vous et pour pouvoir trouver les réponses en vous. Voilà mes chers amis scorpions, je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye! Hello les amis taureaux, en vous souhaitant un très bon week-end, nous allons voir le message ou les messages pour vous des anges. Allez, quel est le message pour les amis taureaux, monde angélique, pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Quel est le message? Oula, là il y en a énormément, ça fait beaucoup. Les amis taureaux, s'il vous plaît, les amis taureaux. Message, bah si, mais ça veut énormément parler, mais ça fait trop. Allez, pour les amis, voilà, nous avons un message de coup. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que tu peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Profitez de ces belles énergies de cette pleine lune du 9 octobre en Bélier pour vous transformer, vous libérer et demander pour pouvoir avancer toujours l'aide de vos anges. Car encore une fois, vous n'êtes jamais tout seul. Laissez-vous éclaircir, laissez-vous vous illuminer par vos anges gardiens qu'il est toujours près de vous. Utilise ma force pour cheminer. Je suis là. Voilà votre message, les amis taureaux. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Verseaux. J'espère que vous allez bien. Ensemble, nous allons voir le ou les messages de vos anges gardiens. Qu'est-ce qu'il a à vous dire votre ange gardien pour les amis Verseau? Et je vous souhaite bien sûr de passer un très bon week-end. Quel est le message pour les amis Verseau, s'il vous plaît? Le ou les messages pour les amis Verseau, s'il vous plaît. Vous en avez deux. Alors. Munis-toi des cristaux. Le premier message. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possèdent des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seront bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elle que tu dois aller. Alors, si vous possédez déjà des cristaux, mes chers amis, n'hésitez pas à les porter sur vous, en tout cas dans un sac à main, brut, un bijou, si vous n'avez pas la possibilité. Ça sera pour une autre fois. Mais si vous en avez, utilisez-les et profitez de cette pleine lune du 9 octobre pour pouvoir les purifier, les recharger. Allez. Le deuxième message, ta mission de vie. La mission de vie. Alors, ta mission de vie est
et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sous terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Contemple sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Soyez toujours dans cette pleine conscience, en croyant en vous, en croyant vos anges, en faisant appel à votre ange. Vous n'êtes jamais seul. Et surtout pour accomplir ce qu'est votre mission de vie, car c'est très important. Et bien sûr, chaque passage sous terre est pour nous permettre de nous élever, pour accomplir ce que nous n'avons pas accompli dans une vie précédente, et pour ne pas répéter infiniment le même schéma. Élevez-vous durant cette vie, mes chers amis, et vous pouvez vous faire aider justement aussi par les cristaux. Voilà les messages pour vous, amis Verseau. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Hello les amis Vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, nous allons voir pour vous le message ou les messages des anges gardiens. Alors, quel est pour nos amis de la Vierge le message ou les messages, s'il vous plaît? Je vous souhaite bien sûr de passer un très bon week-end et nous allons découvrir ensemble. Vous en avez deux. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi. Peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je l'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te sers contre moi et je te place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Que vous y croyez ou pas, mes chers amis de la Vierge, vous êtes entourés par ces ailes invisibles qui sont toujours là pour vous protéger, pour vous aider surtout dans les moments difficiles. Faites confiance à votre ange, parlez-lui, sachez qu'il vous attend toujours. En tout cas, il vous protège, il veille sur vous. Le deuxième message, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Il y a des amis Vierge, peut-être que vous hésitez, que vous n'osez pas. Sachez encore une fois que vous n'êtes pas tout seul, mais que vous devez coopérer. Votre ange gardien, il est là pour vous aider, bien sûr, mais il ne peut pas le faire à votre place. Donc, il est temps pour vous d'agir, de passer à l'action. Et vous verrez les miracles qui peuvent s'accomplir dans votre vie, grâce aussi à ces merveilleuses créatures célestes, qui sont d'une pureté et d'un amour inconditionnel que même pas vous pouvez soupçonner. Alors, appliquez-vous, il veille sur vous. N'oubliez pas que vous êtes protégé. Alors, quand vous hésitez, faites appel à votre ange gardien, il vous guidera. Voilà mes chers amis de la Vierge, je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye!